Ah là, tout le monde a déserté, Ali n'est plus là. Ah, Salada, il est parti avec sa caméra. Il n'y a plus même Flo, je sais même pas s'il va venir. Il est là, Flo. Ah, Florian! Mais t'es des GM. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous avec la brigade des fast food. Je dois tout faire aujourd'hui. Salah n'est pas là pour nous filmer. Heureusement, il est là! J'étais tête-à-tête, mon gars, ça va ou quoi? Et depuis le temps qu'il attend ça, Isma, il a toujours kiffé les jours où on est en tête-à-tête. Et ce qui me touche encore plus, c'est qu'on est tête-à-tête, c'est que tu m'as ramené des fleurs. Non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est parce qu'aujourd'hui, on va... Alors, c'est pas une brigade des fast-food. Tu vas ramener ça à un... Je vais pas ramener ça à un mec de snack. On va chez une dame aujourd'hui. C'est pas dans un snack, on va à domicile. C'est une dame qui se met à faire du couscous. Ouais. C'est sa recette. Ouais. Et du coup, on va chez elle tester. Elle va nous faire le couscous. Au top. C'est génial ça. Ali, ça là, vous avez raté les gars. Ils ont loupé. Il y aura peut-être sa famille, il y aura peut-être son fils et tout. On va y aller, c'est parti. Il y a un problème, brigadier, c'est que je viens de faire tomber le sac. Et ouvre, ouvre. Et le pot. Oh là là. J'ai cassé le pot. Attends, attends, attends. Au moins les fleurs sont intactes. Oh. Allez, repas. J'ai cassé le pot qui va avec les fleurs. Florian. Florian Richard. Ah, c'est trop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, on est allé boire un chocolat chaud au McDo. Du coup, j'ai mis en story. Du coup, je suis obligé de le remettre. Ça passe en partout. Et Isma, il a renversé le coca sur un gars. Je retrouve Isma à la brigade pour la nouvelle année. On est au McDo. Il a voulu aller à cette place-là. Et il a renversé sur le jeune homme. Ah là, Isma, il est renversant. Hein. Non mais franchement, essuie-le, fais quelque chose. Désolé mon gars. Depuis tout à l'heure, il se moque de moi, chat. Let's go. J'ai entendu le boom. Non mais le pire, c'est quand t'as dit à Adam, moi je préfère ce vase-là, tu commences à toucher, tu réfléchis. Tout ça pour rien. Purée. Eh mon brigadier, regardez comme on est dans un bel immeuble. C'est classe. Eh franchement, j'espère. Je sais pas s'il faudra enlever ses chaussures ou pas. T'as pas des chaussettes trouées, j'espère. Ah, j'étais à la mosquée tout à l'heure, t'inquiète. Je savais un jour j'allais monter les marches avec le tapis rouge. Ah bah voilà, t'as vu ça. Je le savais un jour. Moi je pensais que c'était à Cannes, mais bon. C'est là, je sais pas s'il faut sonner ou frapper. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Merci. Enchanté, Florian. Salut. Et Isma, mon brigadier. On est la brigade des fast-food. D'habitude, on va tester les fast-food. Là, aujourd'hui, on vient chez vous. Ok, avec plaisir. Ça fait grand plaisir. Parce qu'on nous a dit que vous aviez une spécialité. C'est le couscous. C'est le couscous. J'ai l'impression d'avoir déjà vu la dame. Vous êtes déjà allé à Argenteuil? Parce que lui, il est d'Argenteuil. Non. Non, je ne sais pas. Vous vous êtes dit... Je vais faire partager mon couscous au plus grand nombre. Je vais diffuser au plus grand nombre, donc, oui, absolument. On va pouvoir acheter votre couscous, le commander, se le faire livrer. Absolument. Et aujourd'hui, on est venu le tester. À la bonne vôtre. Ça fait trop plaisir. Et alors, vous avez une petite particularité quand même. Parce qu'il dit qu'il vous a déjà vu quelque part, je ne sais pas si c'est un rapport, mais la dame a une particularité. On va faire deviner Isma, parce que Isma ne sait pas où on est, ce qu'on fait, où on va. Est-ce que vous êtes déjà passé à la télé? Oui, occasionnellement, oui. Un truc en relation avec la cuisine? Oui. Non, je suis perdu, je sais pas. Bon, tu poses des questions, mais tu sais pas. Ce couscous, il a été notamment validé par vos enfants. Judith, Gad et Arié. Ah, Gad Elmaleh, c'est ça, ok, ça me disait, ok, c'est pour ça. Voilà, et ben voilà, c'est cool, et ben ça nous fait super plaisir d'être là en tout cas. Et je sais pas si t'as vu la déco un peu, il y a des petites références à Napoléon, je trouve que c'est un bon appart. Ah. Dédicace à Gad. Il connaît ses classiques. Alors, j'ai un petit problème. Je vous ai acheté des fleurs, mais je les ai fait tomber et j'ai cassé le pot. Donc, franchement, un autre vase. Je l'ai fait tomber juste en bas. Quel gaffeur. Mais ouais, je suis un vrai gaffeur. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, je suis désolé. C'est tellement joli. Ah bah oui. Bon, alors je m'en occupe après. Et voilà, au point où on en est. On l'a dit tout à l'heure, mais les enfants, ils disent toujours le meilleur couscous, c'est celui de ma mère. C'est celui de maman. Donc, oui, absolument. Même si quelqu'un fait le meilleur des meilleurs des meilleurs couscous, quand quelqu'un dit, parce que moi, j'ai déjà vu, je suis déjà allé dans des restos. La cuisine de la maman, il n'y a rien à faire, ça quitte ça. Pas. Et le meilleur compliment, c'est quand on dit, il est aussi bon que celui de ma maman au final. C'est vrai. Presque aussi. Presque aussi bon, ouais. Parce que sinon, il y a des problèmes à la maison quand on retourne au déjeuner de famille. Vous avez appris à faire le couscous quand et où? Je sais pas, je crois que ça, c'est de mère en fils. Et... Okay. En grandissant au Maroc, j'ai vu toutes les femmes qui m'entouraient faire le couscous, le rouler. Okay. Là, on ne le roule plus.
Mais au Maroc, on le roulait. Hein. Ah, ça partait de la semoule, oui. Directement. Oui, oui. Vous savez que Isma, c'est un cordon bleu, il cuisine très bien aussi. Ah bon? Il fait bien cuire les bons steaks surgelés. Il est très très fort. C'est celui du coup qu'on va pouvoir acheter celui-ci? Ou il y a différentes versions? Là, c'est le royal. Là, c'est le royal. Donc avec, il y a quoi? Il y a des boulettes. Merguez, oui. Avec tous les légumes, de la kefta, des pois chiches, enfin, il y a tout. Le bouillon à côté pour pas que ce soit trop sec. Ça, c'est des oignons confits, ça? Alors du coup, bien sûr, quand on dit c'est votre couscous, quand les gens ils vont commander un peu partout le couscous, c'est pas vous qui allez faire le couscous pour tout le monde. C'est votre recette. Non, c'est ma recette. J'ai pas bien compris en fait. Tu m'as amené ici en mode surprise, j'ai pas compris. C'est-à-dire, là, vous faites des couscous à la maison et vous les vendez, c'est ça? Madame a donné sa recette. Okay. Walida, ça veut dire la maman. La marque, elle s'appelle Walida. Walida. Walida en arabe, ça veut dire la maman. Et comme vous êtes la maman de vos enfants et que vous faites un couscous de maman, et du coup, bah, vous proposez ce couscous, mais bon, vous n'allez pas le faire pour tout le monde. Absolument. Et donc, vous avez donné votre recette. Il y a des chefs qui vont le faire en grand nombre, mais ça veut dire qu'une fois que vous avez donné votre recette, vous avez dû goûter différentes recettes pour savoir celle que vous allez valider? Absolument. Il faut que je retrouve mon goût. Ah oui? Ah, parce que vous l'aviez perdu? Non. Le goût de votre couscous. Mon goût d'origine. Ah ouais, t'as le Covid, t'as. Mais c'est quoi, il y aura plusieurs points de vente sur Paris, il y aura que ici dans ce quartier-là? En fait, il y en aura partout, en France, dans différentes villes. On commande sur Uber Eats, Deliveroo. Absolument. Et on aura votre couscous, votre recette. Absolument. C'est génial, c'est génial. Okay. Nous, on a le vrai dans la cuisine de la maman, là. Là, c'est encore meilleur. Oh là, tu as un bel instrument, là, Isma. Ah. Tu vas te servir? Ah, c'est pour se servir, ok, excuse-moi Flo. Ah bah oui. Je pensais que c'était la cuillère. Ah, lui, il allait manger directement une bonne bouchée. C'était proportionnel à la. Je commence par le. Ah, c'est gentil. Oh là 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 là, Isma. Je suis désolé, madame. Vous allez vous dire, c'est quoi ces deux-là? Aujourd'hui, c'est pas possible, c'est un truc de ouf, c'est que des galères. Oh là là! Monsieur Gad, comment allez-vous? Ça va, Gad? Bien. Ah là là! Alors, tu as goûté le couscous de la maman? Qu'est-ce pas encore, il était en train de servir et voilà. Il a fait une boulette. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire une boulette. Il a fait une fédéra. Ça commence direct. Ça va, Gad? Ouais, super. Ah, justement, on parlait de toi, elle a dit que ses enfants forcément avaient validé le couscous. Ah ouais, il est walidé. Il est walidé. Pas mal. Ah là là, on a même Gad qui est venu. Eh ben ouais, écoutez les amis, moi j'ai mangé ça toute ma vie, toute mon enfance. Et là maintenant, toute la France va le manger. Je sais pas, c'est quoi, je comprends pas trop son délire, je t'avoue. Non mais je vais présenter la France, un gars. C'est parti comment l'histoire? Écoute, vas-y. La France et quoi, le monde. Comment c'est parti l'histoire? C'est toi qui l'as mise en connexion ou quoi? Bah, moi j'ai un pote qui est un start-upper qui s'appelle Clément Benoît, qui est venu manger ici. Il est venu manger en toute innocence, que je pensais. Et en fait, ils se sont chauffés sur le couscous, elle a dit qu'il fallait le distribuer à tout l'immeuble, à tout le quartier. Lui, entrepreneur, il a dit non à toute la ville. Elle, mégalomane marocaine, elle a dit... Et pourquoi pas? Au monde entier. Quelle sera la prochaine étape? Je sais pas, je comprends pas. Maman, tu veux entreprendre? Mais c'est bien. Ouais. Hein? Bah, ça fait un nouveau projet. Jamais trop tard. Hein. C'est un vrai message. Les amis, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Absolument. J'en parle dans mon livre, j'ai jamais écrit. Bon, moi je vais travailler les amis. Hein. Laissons faire les professionnels pour nous servir, parce que là avec nous c'est mal barré. Hein. Les recettes, vous avez réussi à les mettre sur feuille, etc. Parce que généralement les mamans elles ont du mal à dire les recettes, c'est juste un petit peu à vue d'œil. Oui, c'est mieux. C'est du moyen, la semoule? Oui. C'est juste une question pour faire le... Hey, il connaît. Et je trouve que l'équilibre il est parfait, il est pas trop malin. Malah. Ouais, concernant le sel, il n'est pas trop... Bah, il vaut mieux pas. Ouais. Vaut mieux en rajouter que... Vu que c'est Gad el Malah, tu vois, c'est une petite blague. Mais... Ah. Attention, c'est le mleh. Ah, mleh, d'accord. Gentil. Oh, ok, c'est pas le malah, t'as salé. Okay. C'est aussi le salé. Ok. Non, franchement, il est super bon. Et le bouillon est très très bon, je trouve que c'est épicé, c'est très très bon. Félicitations. On y va, regarde, un peu de carottes. Ouais, le meilleur moyen de me faire manger des légumes, c'est le couscous. Ouais, avec un peu de merguez, un peu de tout. Hein. Enrobé, oui. Il est bon, hein. La sauce du couscous, enfin la semoule, elle boit beaucoup le couscous en général. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en remettre un petit peu, mais elle a bon goût, c'est pas sec. Vous voulez que je vous en remette? Je suis en train de dire que justement, elle reste bien, mais je veux bien. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hey. Tu vois, la sauce du couscous, t'as toujours l'impression qu'il y en a plein, que la piscine est pleine, mais ça boit tellement rapidement. Regarde, avec un peu de pois chiche, avec une carotte. Oh là là.
Et l'homme confit, on le met aussi avec le... On le met dans la semoule. Avec le couscous. Avec le couscous. Oh là là. Regardez Isma comment il est concentré. Le seul moment où il est concentré dans sa vie, c'est quand il tape dans son assiette. Mmh. La boulette est bonne, franchement. Je ne sais pas ce qu'on va dire. C'est un couscous de maman, qu'est-ce que tu veux dire? Et alors celui-ci, la, c'est pas de la viande ça. Maintenant j'ai l'habitude avec les végétales, machin, tout ça. Il y a des boulettes véganes, il y a de la saucisse végane, ouais. Tout est végane. Et ça du coup c'est votre recette, mais du coup c'est pas votre recette de base, c'est, ils l'ont véganisé quoi. Absolument. Quand, j'ai testé, quand on a testé, on m'a donné un plat de végane, j'ai... Ah ouais? Ah oui. Et si on vous avait dit, si on vous avait fait croire que c'était de la viande, vous auriez pu croire que c'était de la viande ou quand même ça se voit? Je ne sais pas, j'ai pas cherché à... Maintenant qu'on est un petit peu vegan, Isma... Ouais, après, moi, vous allez me dire, je contredis toujours, etc. Tu peux pas me dire que le couscous vegan, il est meilleur que le couscous avec de la vraie viande, du vrai poulet, des vrais merguez. Moi, c'est mon avis, tu vois. Attends, ça, c'est le poulet. Ça, on dirait du poulet, hein. Même si moi, j'avoue que couscous avec que légumes, j'aime aussi. Ouais. Non, toi, l'autre jour, t'avais dit que non. Ouais. Ah, faut de la viande. On va goûter la mer... La merguez. La fausse merguez. Ah, j'avais oublié que c'était fort quand même. Elles sont fortes ces véganes. Franchement, ça se rapproche vraiment de la merguez. C'est un... Ouais, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on avait fait il y a quelques semaines avec la star du kebab qui mangeait dans une enseigne qui s'appelle Végédal. Et je lui ai pas dit à l'avance. Ouais. Même lui, il a été bluffé. Et il a dit, oh, il est trop bon ce steak et tout. Il trouvait que c'était l'un des meilleurs steaks qu'il avait mangé. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs bluffants vraiment. Ça, c'est le poulet. Bah, franchement. Visuellement, on dirait vraiment du poulet. Au niveau du goût, je me dirais, ce poulet, il a un truc un peu spécial, mais ça fait le job de ouf. Hein. Mais je crois plus encore la merguez. Là, la merguez, tu peux pas savoir. On s'était fait la réflexion aussi une fois dans le... Parce que, en fait, comme la merguez, déjà, c'est un truc qui est pas naturel. C'est un truc qui est constitué avec beaucoup d'épices. Donc, du coup, là, tu fais pas du tout la différence. Hein. Ouais. Eh ben, en tout cas, on a bien mangé. Hein. Merci beaucoup, bravo. Hein. Il est trop bon, ce couscous. Ça, c'est comme, quand on, comme on dit chez nous. Le couscous, vous l'avez fait ici dans la cuisine? Non, non, c'est ce couscous, j'ai donné ma recette. Ouais. Ah, même celui-ci, c'est pas vous qui l'avez fait? Non. Vous faites livrer votre propre couscous? Je me suis fait livrer le couscous. C'est génial cette histoire, parce que maintenant, les fêtes de famille, vous ferez croire à vos enfants que vous l'avez fait, et en fait, vous le commanderez. Et vous ouvrez, ils vous ont livré l'assiette comme ça, servi? Non, non, non. Non, ça par contre, c'est son assiette. Ah, ok. Très belle assiette. Non, parce que Isma voulait savoir si vous pouvez repartir avec l'assiette, non, mais non, c'est la... Et attends, mais ce qui est ouf aussi, l'harissa, c'est elle qui l'a fait. C'est une harissa maison, c'est un peu de ouf, hein. Ouais. Ah, et voilà la maman. Bah ouais, c'est à votre tour de manger. Chacun son tour, bon appétit. Ça va, vous validez toujours autant? Oh là là, c'est génial de manger un couscous sans avoir à le faire soi-même. Hein. Exactement. Profitez. Ah là là, mais quelle histoire! C'est franchement Flo, en 2022, t'arrives encore à me choquer. On est parti manger chez Gad El Moalech, chez la maman de Gad, c'est un truc de ouf. Un bon couscous, eh, j'adore cette dame, franchement, elle était trop gentille, on a même discuté en off et tout ça. C'était super, bah voilà, un bon plan. Bah, si vous voulez tester, les infos sont dans la description. Et puis bah, on se retrouve très très vite avec la brigade des fast-food. Isma, toujours sur YouTube. Hein. Toujours sur YouTube, toujours opérationnel. Et puis toujours sur Instagram, petit pouce vers le haut, si vous avez kiffé la vidéo. Oh. Oh là là, il n'y a que nous dans la rue, ça résonne. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. C'était mon oreille, ça. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors, tu dis quoi, Florian?